C'est le moment de vérité. Nos héros vont-ils réussir à se tirer des griffes de la mort? Oui, parce que j'ai un chat qui s'appelle la mort, je vous l'avais pas dit. Et puis non mais c'est quoi ce titre? Le retour du héros? C'est encore du copiage ça, à tous les coups. Mais pas de blasphème. Le côté obscur te guette. N'importe quoi. Bon, tout le monde est prêt? Oui. Black Cat, tire de roquette. Alors attention. 3, 2, 1... Stop! Black Cat, essaye de bien viser le centre de la pierre. Comme ça, il n'y aura que des petits débris sans danger. Ok. Allez, on reprend. Alors 3, 2, 1... Non, c'est fini. C'est lourd. Fais très attention, Black Cat, car tu peux être surprise par le recul du bazooka et... Oui, je sais. Alors maintenant, tais-toi. Ok, c'est bon, je me tais. Bon, alors... 3... 2... 1... Attends! Non, mais c'est bien. Il se pourrait, malgré tout, qu'il y ait de gros débris. Auquel cas, il m'est d'avis que... Moi, je serais d'avis que tu te la fermes et que tu la laisses faire ce qu'elle a à faire. Bon, je recommence. Et Dan, si tu m'interromps encore une fois, je me sers de toi comme parapluie à rocher, c'est clair? J'ai bien compris. 1. The final countdown. Quel magnifique accent. La ferme. 3. 2. 1. Feu! Vite, regroupez-vous et accrochez-vous à moi. Vous êtes prêts? Finalement, j'ai pas fait mon testament. Trop tard! Ouais, c'est encore mieux qu'à la fête foraine. C'est reparti pour un tour? Ouais, bah sans moi. Oh nom de Dieu, c'était pas passé loin. Et moi qui croyais avoir tout vu avec la mine? Mais ouais, les goûts mécaniques. Bon, t'inquiète pas, il devrait pas tarder à revenir avec cette alerte. Nous sommes en position favorable. Il ne s'attendait certainement pas à ce qu'on s'en sorte. Et puis j'ai de quoi le surprendre. Hé, tu l'entends qu'il revient. Vous êtes vraiment tenaces, bande de larves. Et cette fois, vos plans sont détruits pour de bon. Et comment des brutes comme vous y parviendraient, hein? Je vous le demande. Il suffit de prendre un modèle sur un truand comme vous. Non mais c'est quoi cette musique? Bon, brut, truand... Décidément, vos blagues sont vraiment pourries. Dan, arrête de siffler derrière moi. Bon, si on peut plus s'amuser. Enfin bref. Comment comptez-vous me stopper maintenant, hein? Dès que j'appuierai sur cette télécommande, le générateur d'énergie de vos machines à transmutation va monter un régime à grande vitesse. En moins de 2 minutes, il surchauffera et explosera. C'est du bluff. C'est pas du bluff. Tu crois qu'il bluff? C'est pas du bluff. Si, c'est du bluff. Moi je demande l'avis du public. Si, joueur. Je n'y crois pas une seule seconde. Ah vraiment? Je pense que nous devrions être protégés dans ce bureau blindé. Dan, appuie sur le bouton. Et alors? Il ne se passe rien? Je vous l'avais dit. Et maintenant que vous avez utilisé votre dernière chance de vous sortir vivant d'ici, qu'est-ce que vous comptez? Danger. Hausse anormale du régime énergétique. Demande de refroidissement d'urgence. Mais... Et c'est pas fini. Activation du refroidissement d'urgence impossible. Alerte. Programme pirate détecté dans le système d'urgence. Système de sécurité bloqué. Dis donc, ça va chauffer. Générateur en surchauffe. Danger, risque d'explosion, coupure d'alimentation d'urgence. Alors là, bravo, Dan. Mais qui a dit que c'était terminé? Non. Coupure d'alimentation impossible. Évacuation. Évacuation du secteur 69 exigée de toute urgence. Voici la touche finale. Non. Pour résumer, si vous vous bougez pas le cul rapidement, vous allez tous crever comme des couilleux dans 5, 4, 3, 2, 1... Merci de votre attention, et bonne journée. Non. Et là, je suis heureuse que tu aies vu juste sur la protection du bureau, Duke. Sur le moment, j'ai eu quand même mon doute. Non, ça ne peut pas être vrai. Eh ben si. Cette fois, vous êtes fini. Alors qu'il est, excepté votre bureau, tout ce qui se trouvait dans un rayon de 10 km est réduit en cendres. Votre armée et tout votre matériel sont détruits. En clair, maintenant, vous êtes face à nous, tout seul. Et vous allez finir par mourir, vous aussi.
cette fois, vous êtes allé trop loin. Je ne pensais vraiment pas avoir à en arriver jusqu'ici pour quelques morveux comme vous. Mais là, vous ne me laissez pas le choix. À notre prochaine rencontre, vous mourrez tous autant que vous êtes. Oh merde, un fusigène! Ah, mes yeux! Merde, il voit rien! Ah, ça se dissipe! Merde, il est passé où? Par cette porte dérobée derrière le trône! Je lance un scan. Juste un couloir qui va tout droit vers une immense salle. On peut le rattraper rapidement. Alors courons! Il ne peut pas nous échapper! Ouais! Et 3 minutes 10 plus tard, après une belle course d'endurance dans ce long couloir. Allez, enfin la sortie! Et non, mais c'est quoi cette salle? Oh mon dieu! Mais cet endroit, c'est... une arène de combat! Et il y a une autre porte en face! Dépêchons! Wow! Et non, mais qu'est-ce qui se passe là? La porte en face, elle s'ouvre! Mais c'est quoi ce truc? Oh putain! Et bienvenue, cher futur cadavre, dans mon arène personnelle! Et oui, c'est moi, Lego Mechanics! Dans mon tank mobile dernier cri, le Lego Mécator. Le Lego Mécator? Mais quel nom de merde! Oui, je pensais à Terminator, mais c'était déjà pris. Donc je me suis rabattu sur autre chose. Ah, je comprends mieux. Les deux canons rotatifs qui lui servent de bras crachent des obus de calibre 30 Artemis en uranium appauvri à 600 coups minutes. Vous allez déguster. Oh, chiotte. Hein? Tu veux aller aux toilettes? Mais tais-toi. Mais quoi? D'ailleurs, voici un exemple de sa puissance de feu. Et voilà qui est mieux. Mais merde, c'est pas vrai! Il a détruit le couloir derrière nous! Et merde, on est bloqué ici! Et au cas où vous voudriez vous enfuir, sachez que c'est moi qui possède la clé magnétique de la porte blindée derrière moi. Votre seule chance de sortir d'ici est de me vaincre. Autant dire que pour vous, c'est foutu d'avance. On est mal. T'as trouvé ça toute seule? C'est moi ou il est en train de nous viser, là? Que la fête commence! Tous aux abris derrière ce rocher! Ces rochers ne tiendront pas 2 minutes avec une telle puissance de feu. Il faut trouver une solution et vite. Il faut faire très attention. Si on fait la moindre tentative sans bien calculer notre coup, on est mort à coup sûr. Alors il faut trouver le point faible d'abord. Et tu crois vraiment que ce monstre a un point faible? On a une chance. Cette machine est montée sur chenille. Donc elle a des manœuvres lentes. On peut surprendre par derrière. Mais l'attaquer de dos me semble la meilleure solution. Mais pour qu'on puisse l'attaquer de dos, il en faut au moins un de nous quatre qui fasse diversion. Et ça, c'est extrêmement risqué. Dan, il est où le cockpit de commande sur cette machine? En plein centre, dans le ventre. Eh, évidemment, l'endroit le mieux protégé. Allez, sortez un petit peu de derrière qu'on s'amuse! Les rochers vont bientôt céder! Il faut faire vite! Bon, mais nous faisons quelque chose. Duke, passe-moi le jetpack. Et t'as fini à passe-moi ton MP5. Hein? Mais Black Cat, qu'est-ce que tu fais? Duke, voici enfin ta chance de venger ta moto. J'ai confiance. Non mais ça va pas, non! Non, Black Cat, reviens! Reviens! Black Cat, reviens! Ah, enfin, qui se décide à sortir de son trou? Et merde! Vous autres, allez vous cacher! Ok, on y va. La bataille finale vient de commencer.